Lucie Roux, spécialiste du gaz européen, société Platz. Merci d'être venue sur Gazélec. Je voulais vous présenter peut-être et présenter votre société. Je suis Lucie Roux, je travaille chez Platz, donc qui est une agence qui s'occupe de référencer les prix dans le marché du gros, dans le domaine des commodités. Donc, marché de gros, donc il y a beaucoup de participants. On s'occupe de voir comment les marchés évoluent au jour le jour, les prix, ce qui vont pousser les prix à monter ou à baisser. Ça peut être la température, ça peut être le stockage, ça peut être. Et donc, on fait beaucoup d'analyses tous les jours et d'études de marché pour aider les participants justement à prendre des décisions. Quelle est votre motivation à venir sur Gazélec par rapport à votre métier notamment ? Donc c'est la première fois, hein, c'est une première pour moi. Ce qui m'a motivée, c'est que c'est très orienté local et les problématiques locales de la France. Et comme je couvre en partie, entre autres, le marché français, ça me permet justement de rencontrer des participants du marché qui vont aller en profondeur expliquer ce qui se passe, les problèmes à gérer, les solutions possibles. Et donc ça m'aide aussi à comprendre quel type d'analyse je vais poursuivre ensuite. Quelles leçons avez-vous tirées du Gazélec ? Qu'il y a beaucoup de choses et de problèmes et beaucoup de choses intéressantes à voir. J'ai rencontré aussi beaucoup de participants avec qui je pense je vais rester en contact, qui vont me permettre aussi de développer mes analyses. Et oui, c'est ça en gros, ça m'a permis de mieux comprendre, de faire un focus sur le marché français du gaz. D'accord, justement, avec qui avez-vous pu échanger ? Est-ce que vous avez apprécié le networking sur Gazélec ? Et je trouvais que c'était un bon équilibre des conférences et du networking. On a eu là 2 heures, ça donnait du temps justement de rencontrer les gens, je veux dire la pause à midi. Les conférences étaient aussi, les tables rondes étaient aussi ni trop longues ni trop courtes. Non, je trouve que c'était un bon équilibre et ça m'a permis de rencontrer différentes personnes. Merci de nous avoir accordé le temps pour cette interview et j'espère à l'année prochaine sur Gazélec 2016. Merci bien.